Alors après cette ce grand briefing, je vous propose de rentrer dans le détail et d'entamer la première séquence. La première séquence, c'est numérique, emploi et entreprise, avec une première table ronde, création ou destruction d'emplois. Le numérique et Schumpeter feront-ils bon ménage? On va justement évoquer tous ces thèmes et je vais appeler sur scène Nicolas James du Journal du Net qui va animer cette table ronde. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Nicolas James, je suis journaliste au Journal du Net et je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde sur l'impact du numérique sur le marché de l'emploi. Donc on va discuter finalement des conséquences sur la création ou non d'emplois, la destruction de certains dont on dit qu'ils sont plutôt vulnérables et finalement les conséquences de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans de plus en plus de pans de métier, de l'arrivée des robots dans nos usines pour effectuer les tâches les plus opérationnels. Et je vais appeler pour discuter de tous ces sujets-là Ludovic Cinquin, le directeur général d'Octo Technologies, Jean-Marc Daniel, qui est professeur d'économie à l'ESCP, Marianne Barba-Layani, la directrice générale de la Fédération bancaire française, Vincent Bédouin, le président du directoire de Lacroix Group, et Isabelle Martin, responsable du service économie et société de la CFDT. Et on va commencer par une petite présentation contextualisée de Ludovic Cinquin. Je vous laisse la parole, Ludovic. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors pour introduire ce sujet, je vous propose, qui est un sujet très vaste, je vous propose d'explorer trois questions. La première, est-ce que la disruption technologique va détruire des emplois? La seconde, si c'est le cas, est-ce que c'est grave? Et la troisième, qu'est-ce que l'on fait face à ces enjeux-là? Alors la première question, est-ce que la disruption technologique va détruire des emplois? Ce qu'on constate, c'est que la machine, donc ça veut dire le robot et l'ordinateur avec de l'intelligence artificielle, a un pouvoir de remplacer l'humain dans les emplois qui est sans précédent. Et en fait, il y a deux camps qui s'affrontent. Un premier camp qui sont les Schumpeteriens, qui disent que c'est un processus de destruction créative comme on en a déjà connu. Et la calèche a été remplacée par l'automobile, mais l'automobile a créé infiniment d'emplois. On peut utiliser ça pour la voiture autonome, par exemple, où finalement ça va reconfigurer complètement les villes et donc potentiellement avoir un pouvoir de création d'emplois sans précédent. Les autres considèrent qu'on est en train de basculer dans un nouveau monde. Il n'y a pas de secteur quaternaire pour prendre le relais du tertiaire, par exemple. Et en plus, les emplois qui sont remplacés aujourd'hui sont complètement remplacés. Au moment de la machine à tisser, on démultipliait le potentiel des ouvriers. Aujourd'hui, on remplace les ouvriers. Donc on a quand même deux grands camps qui s'affrontent avec des positions assez différentes et c'est très difficile de trancher aujourd'hui. Les chiffres ne nous aident pas vraiment là-dessus. On peut constater d'un côté que la productivité par employé des géants du web est énorme. Par exemple, Amazon a une productivité par employé qui est deux fois supérieure à celle de Walmart pour faire le même métier. Et en même temps, quand on regarde les chiffres de l'économie, de la macroéconomie, on ne voit pas de disruption économique. C'est le fameux paradoxe de Solow. La productivité dans les pays occidentaux est en train de décroître progressivement et on ne voit pas de rupture économique liée à l'introduction des nouvelles technologies. Donc ce sont des sujets qui sont assez difficiles et sur lesquels on n'a pas encore la vérité aujourd'hui. La seule chose dont on est sûr, c'est que ça a tendance à transformer les emplois. Donc les études des plus optimistes aux plus pessimistes disent qu'il y a entre 20 à 50, enfin il y avait les chiffres de Pierre Gattaz tout à l'heure, entre 20 à 50% des emplois qui vont être au moins transformés. Donc on a un enjeu assez fort sur la nature des emplois que l'on va opérer dans le futur et certains estiment même qu'on va avoir 80% des emplois qui restent à inventer d'ici 2035. La deuxième question que l'on peut se poser, c'est est-ce que c'est grave? Sachant que finalement, ne pas travailler, c'est à la fois le luxe du rentier et le drame du chômeur. Et le travail dans nos sociétés remplit trois fonctions, enfin au moins trois fonctions. La première fonction, c'est une fonction d'utilité pour la personne, c'est-à-dire que c'est ce qui permet de vivre et d'avoir un revenu pour subvenir à ses besoins.
La deuxième fonction, c'est une fonction d'utilité sociale pour la personne, qui est que le travail est un facteur de socialisation et d'intégration et d'épanouissement également. Et enfin, la troisième fonction du travail, c'est de produire les biens et les services dont la société a besoin aujourd'hui. Alors, sur le premier sujet, le revenu, si l'emploi décroche, il y a un sujet de répartition de la richesse. Donc ça introduit les sujets autour du revenu minimum. Et ce qui est assez amusant sur ce sujet, c'est que les libertariens de la Silicon Valley sont d'accord avec les mouvements de gauche sur la nécessité de cette transformation-là. Et au milieu, il y a moins de consensus, on va dire. Le deuxième sujet, c'est l'épanouissement au travail. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'avec l'arrivée des algorithmes, comme on le voyait tout à l'heure, il y a un changement radical qui est que ce n'est plus la machine qui travaille pour l'homme, c'est l'homme qui travaille pour la machine. Un chauffeur Uber obéit à des algorithmes. Et on voit de plus en plus des plateaux entiers de gens qui vont apprendre à des algorithmes à progresser et à se développer. Et enfin, la dernière fonction du travail, la fonction d'utilité économique pour la société. On a un paradoxe qui est assez troublant, qui est lié à la loi d'Okun. Donc la loi d'Okun, c'est une loi qui a été stipulée en 1962 et qui dit qu'il faut un minimum de croissance pour maintenir le statu quo sur le front de l'emploi. En France, c'est 1,5, 1,3, 1,5. Ça veut dire que si on veut qu'il n'y ait pas de destruction d'emploi, il faut avoir une croissance d'environ 1,3% en France. Sachant que, pour l'instant, on n'a pas encore atteint le phénomène de découplage. Le phénomène de découplage, c'est quand vous arrivez à décorréler la création d'emplois de l'utilisation des ressources non renouvelables. Et donc, on a un enjeu collectif qui est qu'aujourd'hui, c'est comme si pour sauver l'emploi, il fallait condamner la planète, ce qui pose des questions évidemment absolument radicales. Donc là encore, on est dans des sujets extrêmement vastes. Et ce qui nous mène à la troisième question, que faire ? Alors, que faire dans cet environnement extrêmement changeant ? La seule certitude qu'on a, c'est que les emplois vont changer. Donc, il faut être capable de s'adapter à des nouveaux emplois. La seconde chose que l'on sait, c'est que la lecture du futur est extrêmement difficile et extrêmement incertaine. Ce qui signifie qu'il faut développer sa faculté d'adaptation. On ne sortira de ces transformations sociétales qu'en adaptant considérablement notre capacité à s'adapter aux événements. Et pour ce faire, il y a plusieurs ressorts. L'éducation, l'enseignement que l'on donne à l'école. Il y a évidemment le rôle des entreprises dans le développement des compétences. Et l'enjeu aujourd'hui, ça va être d'apprendre à apprendre, pas d'apprendre un métier toute sa vie, évidemment. Et puis, il y a un autre enjeu, probablement, autour de la nature du travail qui va être disponible. On voit apparaître tout un tas de nouvelles formes de travail que sont les freelance, enfin les indépendants, les slashers. Donc, les slashers, c'est ceux qui ont plusieurs emplois en même temps. Le télétravail, les digital nomades, donc des gens qui parcourent le monde, qui s'arrêtent 15 jours et qui vont faire des missions courtes de 15 jours et qui vont reprendre leur baluchon. Et donc, tout ça, ce sont des nouvelles formes de travail qui sont en quelque sorte un laboratoire pour comprendre ce qu'il va se passer sur l'adaptabilité du champ du travail. Et ce que je trouve particulièrement intéressant sur ces sujets-là, c'est que finalement, plus on confronte notre société à la machine, plus on comprend notre identité propre, celle d'être humain, et c'est donc un chemin assez passionnant. Merci. Merci beaucoup, Ludovic. Je vais peut-être commencer par Jean-Marc Daniel, l'économiste. Qu'est-ce que vous retenez de cette intervention de Ludovic ? Finalement, ce que j'en retiens, c'est que c'est difficile à dire aujourd'hui à date s'il y aura une création ou une destruction d'emplois, tant les hypothèses sont floues, mais une certitude, il va y avoir une transformation en tout cas des métiers, des compétences dont on aura besoin. Oui, dans les propos auxquels j'adhère pour l'essentiel, il y a quand même trois éléments qui m'ont frappé. Le premier, c'est qu'encore une fois, on raisonne en termes toujours d'emploi. Combien on va voir disparaître d'emplois et tout ça. Je maintiens que le but de l'économie et le but d'une société, c'est pas l'emploi. Si le but d'une société, c'était l'emploi, les démocraties populaires des années 60 seraient le modèle absolu. Il y avait le plein emploi. Donc le but d'une société, ce n'est pas de garantir le plein emploi, ce n'est pas de construire l'emploi, c'est de construire la création de richesses. Et donc la vraie question, c'est
c'est quel est le mode d'organisation de la société vers laquelle nous allons au travers de ces nouvelles technologies en termes de services rendus. Et donc il y a un personnage qui, dans le débat, me paraît encore relativement trop absent, qui est celui qui va recevoir ces nouvelles technologies. C'est-à-dire que le but d'une entreprise, ce n'est pas d'employer, c'est de vendre, et donc le personnage clé, c'est celui qui va acheter. Et donc je crois qu'il y a une vraie réflexion dans l'articulation dans les nouvelles technologies et l'entreprise, c'est à qui on va vendre. Je rappelle, moi j'ai assisté aux 10 ans du Minitel, je rappelle que quand François Mitterrand avait dit « le Minitel, tout le monde nous l'envie », il y avait une petite voix dans la salle qui avait répondu « mais personne ne nous l'achète ». Et donc effectivement, ça avait créé des emplois, la direction générale des télécoms était très fière d'elle, et je me rappelle aussi, quand j'ai commencé à l'INSEE, j'avais travaillé sur la préparation du plan, et on évaluait encore le nombre d'emplois créés par le plan calcul. C'est vous dire si je suis vieux, mais je peux vous dire que le plan calcul, ça a peut-être créé des emplois, mais ça a plombé les finances publiques pour rien. Donc je crois qu'une des vrais enjeux, effectivement, pour les entreprises, ça va être la capacité à articuler la création de richesses avec le consommateur. La deuxième chose, je crois qu'effectivement, la définition du progrès qui est en train de se mettre en place, il y a toujours eu du progrès. On parle de Schumpeter, on pourrait parler du déversement d'Alfred Sauvy, ce qui nous permettrait de parler des Français et pas uniquement des étrangers. Mais je pense que fondamentalement, la grande mutation qu'il y a, et c'est lorsque le progrès apparaît, il y a toujours des gens qui résistent. Ce qu'on appelle les ludites, il y a des gens qui résistent. Et donc les ludites, ça casse les machines. Quand les ludites sont apparus, ce que disait Byron, qui les défendait, c'est qu'il y avait une injustice dans le progrès, qui était lié au fait que le progrès supprimait juste un certain type d'emploi. Grosso modo, le progrès était en train de supprimer les emplois des gens qui développaient de la force physique. Et donc, il y avait deux blocs dans la société, des gens qui étaient menacés dans leur quotidien parce que leur emploi allait disparaître, et puis des gens qui étaient relativement abrités, qui étaient les gens, effectivement. Donc, c'est tout le discours sur la formation. Ce que je pense, c'est que maintenant, tout le monde est impacté. C'est-à-dire que ce n'est plus la force physique qui est impactée par l'évolution technologique, c'est y compris au travers de l'intelligence artificielle. Donc, tout le monde va être impacté. Donc, définir les emplois de demain, c'est effectivement très, très difficile parce que tous les champs de production vont être impactés. Et la dernière remarque que je ferai, c'est que, pour en revenir à cette époque-là de Byron, qui n'est pas forcément... C'est qu'à l'époque, Ricardo avait fait la distinction entre deux types de gens qui résistent au progrès. Les ludites, parce que leur emploi va disparaître, et les rentiers, parce que les autorités politiques associent à la création de richesses une modification de l'organisation au travers de l'introduction de la concurrence. Et donc, Ricardo disait bien, en fait, il y a deux ennemis du progrès, les rentiers et les ludites, et il appartient à l'autorité politique de voir quelle est, où elle met le curseur, notamment dans son combat contre les rentiers. Et je pense là aussi qu'il y a des enjeux du progrès technique à l'heure actuelle, c'est qu'il impacte aussi les rentiers. Grosso modo, le progrès technique non seulement change les emplois, fait apparaître de nouveaux emplois, mais fait apparaître des emplois qui sont par nature et structurellement en concurrence. Et donc l'emploi qui va émerger est un emploi qui ne sera pas du tout de la même nature que l'emploi précédent. Je pense, et puis on aura l'occasion de revenir dans cette table ronde, que la notion même de salariat va être remise en cause par l'évolution des nouvelles technologies. Alors, elle est déjà, mais effectivement, on l'évoquera plus tard. Je vais peut-être passer la parole à Marianne. Clairement, la banque est un de ces secteurs qui est impacté par la révolution du numérique. On a eu l'exemple hier même avec cette levée de fonds de 160 millions de dollars qui a été réalisée par N26. Donc c'est une néobanque qui n'a pas de réseau physique et qui propose la gratuité de la carte bancaire, qui a déjà séduit près de 800 000 clients avec, je crois, moins de 200 collaborateurs. Donc on rejoint les exemples que donnait Ludovic sur le rapport masse salariale et chiffre d'affaires réalisé qui n'ont plus rien à voir avec les industries traditionnelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels ont été les impacts du numérique sur le marché de l'emploi? Je crois que vous avez réalisé quelques études à ce sujet-là. Oui, alors on y travaille hein, sur tous ces sujets. Je crois que c'est le message essentiel que je voulais passer, c'est que les entreprises, elles travaillent sur ces sujets. D'abord parce qu'elles sont déjà numériques. Hein. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. On est, en tout cas dans le secteur bancaire, toutes les banques sont des acteurs digitaux. Et ce sont même d'ailleurs, en tant qu'acteurs digitaux, parmi les plus grands acteurs digitaux dont le siège est sur le territoire européen, voire français. On voit qu'il y a des débats actuellement sur est-ce que l'Europe est en train de devenir une colonie numérique. Moi, j'ai pris position il y a deux jours et je pense que c'est assez partagé. Il y a des domaines dans lesquels on n'y est pas du tout condamné, en particulier dans la banque et dans la finance. Bon, pour revenir plus précisément sur le sujet...
comment va évoluer l'emploi et comment ça va impacter certains secteurs. Alors, on se disait tout à l'heure avec Jean-Marc Daniel que c'est vrai qu'il y a 30 ans, depuis 30 ans, on prédit à la banque quelle est la sidérurgie de demain. Donc, on y est peut-être, hein, mais moi, je n'y crois pas. Et je pense que la banque se caractérise par rapport à d'autres secteurs par le fait que c'est une industrie de services. Et c'est aussi, en tout cas en France, une industrie de proximité. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que le numérique ne réinvente pas la proximité et que les emplois n'évoluent pas. Donc disons que pour me situer, je serais plutôt schumpeterienne que hayekienne. On a parlé du fait que les libertariens rejoignaient les ultra-gauchistes, etc. Donc je trouve que Schumpeter est plus intéressant et plus fertile, en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a une transformation de l'emploi. Alors ça, on le voit très bien dans notre secteur. Qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas une évolution majeure en termes quantitatifs. On représente 370 000 salariés sur le territoire français. C'est assez stable. On n'est plus créateur net d'emploi depuis 2 ou 3 ans, mais les évolutions sont extrêmement limitées. On continue à embaucher énormément. Il y a un des sujets d'ailleurs qu'on n'a pas abordé, c'est que je crois que toutes les entreprises sont confrontées de plus en plus, et ça devient d'ailleurs notre cas, y compris dans le secteur bancaire, à une concurrence féroce pour recruter. On a tous des difficultés de recrutement, notamment sur certaines catégories de salariés. Donc je ne sais pas si l'emploi va disparaître, mais ce n'est pas pour tout de suite. Et j'espère qu'on est arrivé dans la bonne partie de la loi d'Okun. En tout cas, nous, c'est ce qu'on constate. Hein, c'est qu'effectivement, il y a une rareté et il y a une concurrence pour recruter. Alors, ce que l'on voit évidemment, c'est qu'il y a une évolution très forte du type d'emploi. La banque, traditionnellement, était un très très gros recruteur au niveau Bac plus 2. Sur les 41 000 embauches qu'on a fait l'année dernière, on est passé à plus de la moitié en Bac plus 5 et plus. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a des emplois qui disparaissent. Les emplois, les personnes qui autrefois aidaient tous les clients que vous êtes à faire des virements papier en 3 exemplaires dans les agences, etc., ça n'existe plus. Il y a 8 Français sur 10, c'est les derniers chiffres que l'on a, qui consultent leur compte par Internet. Et les applis bancaires sont aujourd'hui les 3e plus utilisés parmi les applis après la météo et les réseaux sociaux. Donc on est déjà dans un monde numérique. Il faut adapter à la fois les salariés que l'on embauche. Et puis surtout, il y a un enjeu absolument gigantesque. C'est ce sur quoi on a énormément travaillé, notamment depuis 2012, de manière paritaire. Moi, je tiens à le dire, on parle beaucoup du dialogue social aujourd'hui. Tous les travaux que nous avons menés dans le secteur bancaire, y compris le dernier sur l'intelligence artificielle, où on a été le premier secteur à se pencher sur quel va être l'impact de l'intelligence artificielle, ça s'est fait de manière paritaire avec les salariés au sein de l'Observatoire des métiers de la banque. Donc on y travaille, on essaye de voir comment adapter les organisations. Et puis évidemment, l'enjeu clé, c'est la formation. Alors on est déjà un secteur qui est très en pointe en matière de formation. On dépense sur la masse salariale, on est à 4,3% dans la banque, contre à peu près 2,3% en moyenne en France. Donc on a déjà un objectif, parce qu'on a beaucoup de salariés à haute valeur ajoutée et de plus en plus. On a mis en place un socle de compétences numériques minimales pour tous les salariés du secteur bancaire qui peuvent demander ces formations de manière volontariste. Ce qui est intéressant d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout les salariés des petites banques qui demandent à bénéficier de cette certification, ce qui sous-entend que les grands acteurs, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, ont déjà très largement travaillé sur le sujet, formé leurs salariés. Mais je pense que le message qu'on voulait donner, c'est qu'on est dans le numérique. Le numérique transforme effectivement profondément les organisations et les emplois. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les études qu'on a menées au sein de l'Observatoire des métiers de la banque, mais c'est la conclusion numéro un. Ce qu'on voit aussi, c'est que le changement s'accélère. Ça, c'est peut-être un des enseignements les plus importants. On a encore le temps de travailler, par exemple, sur l'intelligence artificielle qui arrive dans beaucoup de domaines, mais ça s'accélère. Alors, il y a d'autres enjeux qui sont très importants. On n'en a pas parlé, mais il y a l'enjeu de la protection des fonds et des données des clients. Enjeu majeur pour le secteur bancaire dans un monde où la cybersécurité est certainement
pour nous aujourd'hui, au-delà de la stabilité financière qui a été notre grand sujet depuis la crise financière, sans aucun doute un des défis majeurs. Après, bon, on a évoqué tout à l'heure la concurrence nouvelle avec des banques purement Internet. Moi, j'en ai chez moi, hein, j'ai 457 adhérents. Il y a des banques purement Internet. Une question à ce sujet-là, il y a un nouvel acteur dont le métier historique n'est pas la banque qui est venu se positionner, c'est Orange. Et Stéphane Richard, justement, au lancement d'Orange Bank, dont les conseillers de clientèle sont essentiellement des chatbots, avait dit, donc ils utilisent la technologie d'IBM qui s'appelle Watson, il avait eu cette phrase qui m'avait marqué, et j'imagine volontiers frondeur et un peu limite caricaturale, mais il expliquait, Watson, donc la technologie, ne fait pas le pont ni les 35 heures, je me demande ce qui restera du conseiller bancaire dans 10-20 ans. Est-ce que vous pensez que l'IA pourrait complètement se substituer à l'humain, ou finalement il était dans les caricatures et que... Alors, d'abord, Watson n'est pas utilisé que dans une entreprise bancaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir d'ailleurs que Watson est utilisé dans d'autres entreprises bancaires comme soutien du conseiller. J'ai été un petit peu choquée par ce qui a été dit tout à l'heure, de dire que les salariés ou les employés allaient travailler pour les algorithmes. Moi, je pense que c'est surtout les algorithmes qui vont accompagner les salariés, et dans un secteur comme le nôtre, pourquoi je pense que c'est tout à fait essentiel, parce que la banque est un secteur ultra réglementé, pour de bonnes raisons. D'ailleurs, il y a un des domaines dans lesquels l'emploi se développe de manière phénoménale, c'est ce qu'on appelle la conformité, c'est-à-dire les gens qui, dans les banques, s'assurent que toutes les réglementations sont assurées, sont respectées. Et l'intelligence artificielle, elle vient déjà dans des réseaux bancaires, qui sont pour certains des réseaux très traditionnels qui existent depuis très longtemps. Elle vient accompagner les conseillers pour les aider justement à ne pas passer 90% de leur temps à faire de la vérification de conformité, mais à rester branchés sur... Le grand absent du débat dont parlait Jean-Marc Daniel, c'est quand même le client. C'est-à-dire qu'on est des métiers de service, nous on est en contact avec les clients, et ce qui va être très déterminant, c'est comment les clients vont évoluer. On le voit, ils évoluent énormément en termes de fréquentation des agences, mais aussi en termes de demande. Alors ils demandent beaucoup de conseillers d'ailleurs. Le modèle bancaire qui est plébiscité par les Français quand on fait des études, c'est un modèle avec évidemment un bon service numérique, c'est la base, hein, le service digital, mais c'est aussi un modèle avec son conseiller attitré. Alors le numérique, évidemment, permet d'être en contact avec son conseiller de beaucoup plus de manières, avec ce qu'on appelle le multicanal ou la banque figitale, hein, à la fois physique et digitale. Je pense qu'il y a plusieurs modèles. Je pense que le réseau et la présence territoriale, qui est une des marques de fabrique de la banque française, en tout cas ce que je vois chez mes adhérents, c'est que ça reste quelque chose de très valorisé, auquel à la fois les clients et les patrons de banque et les dirigeants de banque sont extrêmement attachés. Donc je pense qu'il n'y a rien n'est écrit. Je crois qu'on est aujourd'hui, effectivement, on le disait tout à l'heure, on n'a pas de boule de cristal, personne n'a de boule de cristal. Il y a des grands enjeux. On parle aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé hier sur certains grands réseaux sociaux. Je pense que la question de la sécurisation des données, de l'utilisation des données dans le digital, va devenir un des très très grands enjeux, y compris d'ailleurs en matière de régulation. Aujourd'hui, on ne parle pas de régulation de ce secteur. Je pense qu'à un moment, la question se posera de la façon dont on s'assure que les données sont utilisées ou pas, avec la connaissance des clients. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a un think tank libéral qui s'appelle, j'ai oublié le nom, de Gaspard Koenig, qui a lancé un... Pardon ? Génération Libre. Voilà, Génération Libre, qui a lancé une idée qui est intéressante, qui était de dire c'est au client de monétiser ses données. Oui, c'est effectivement le concept. Donc il y a plein d'évolutions possibles, mais effectivement, Jean-Marc Daniel l'a dit, on est tous impactés par le numérique. Les grands groupes, comme les ETI, on a Vincent Bédouin qui est le président d'une ETI familiale de 80 ans et qui est en plein dans cette révolution numérique. Vous êtes arrivé récemment à la tête de l'entreprise pour la transformer, pour en faire, me disiez-vous, une entreprise innovante libérée. Cette transformation numérique, elle concerne le cœur même de votre activité et évidemment votre mode d'organisation en interne. Et donc la question ? Comment est-ce que vous voyez le numérique impacter votre business, et quelle est votre vision pour 5-10 ans en fait ?
Alors, La Croix, 80 ans, 440 millions de chiffre d'affaires et 4000 personnes. Donc on est vraiment une entreprise industrielle, encore manufacturière, en pleine transformation. Pour vous situer la transformation, le métier historique de La Croix, c'était de faire des panneaux, les panneaux routiers. 80 km/h, ça ne change rien pour nous. Et aujourd'hui, on est équipementier électronique. On fait des équipements dans le machine-to-machine. Le Minitel nous a permis de lancer la télégestion des réseaux d'eau et d'aujourd'hui d'exporter dans 40 pays, sans le Minitel. On se projette vers tous ces métiers d'avenir avec les objets connectés industriels. Évidemment, on est en pleine mutation et il y a plusieurs façons d'aborder ça. Alors la question sur est-ce qu'on va créer de l'emploi ou pas, moi j'ai envie de dire en net, peut-être pas, mais moi je m'occupe de 4000 personnes. Et globalement, on prédit que 85% des métiers de demain, je ne les ai pas en interne. Donc forcément, il faut que je me préoccupe de ça. Moi, la conviction que j'ai, c'est qu'une entreprise, si elle ne change pas la façon de faire les choses historiques, elle ne pourra pas changer la façon de faire les choses futures. Cette transformation numérique, elle touche tous les secteurs, l'interne et l'externe, et première chose dans notre façon d'aborder l'avenir, c'était de dire comment on se transforme en interne et comment on va cultiver la pratique digitale. Donc il y a plein de façons de faire. Nous, on met des outils collaboratifs, on forme les gens et surtout on met du réseau interne, du lien. On essaie de ne pas sous-estimer le rôle du manager qui, pour aborder tout ça, doit aussi changer et générer plus de confiance, d'accompagnement et revoir sa position. Donc beaucoup de transformations, mais on commence par l'interne avant de se projeter aussi sur des beaux challenges. Une question sur l'impact du numérique. Vous me disiez qu'en usine, finalement, aujourd'hui, l'humain ne pesait déjà plus que 10% de vos coûts et que finalement, la révolution numérique, là où elle aura de l'impact, ce ne sera pas tant au niveau des ateliers de production que sur les fonctions support, là où finalement, l'humain a du mal à rivaliser avec les algorithmes de machine learning au moment de décider. Alors, on est dans une industrie... Moi, je suis dans une industrie électronique, donc... Par la miniaturisation des composants, on est déjà très automatisé. 10% de mes coûts, c'est la main-d'œuvre directe, donc vraiment les opérateurs de production. J'ai aussi la main-d'œuvre directe. Dans une industrie très automatisée, on voit qu'en effet, il y a beaucoup moins de main-d'œuvre directe, ça c'est clair. On a beaucoup de monde dans les bureaux. Donc on a fait dans l'industrie électronique le 3.0, donc cette automatisation. Tout l'enjeu maintenant, c'est le 4.0. Et le 4.0, on en a parlé, c'est la digitalisation, c'est les outils métiers, c'est l'intelligence artificielle. Et là, très clairement, ça touche tout le monde, et notamment les emplois de bureau. Dans notre secteur, c'est pas forcément un mal, parce qu'on a aussi une problématique, c'est que nos experts, ils sont rares. On est en plein emploi, c'est là où il y a des besoins de compétences. Et c'est aussi une phase. Et mes experts vont partir en retraite dans les 5 prochaines années, transférer leur savoir dans de l'algorithme, dans du système expert qui, grâce à du machine learning, en lien avec les résultats de prod, vont me permettre d'upgrader les règles de fabricabilité, de testabilité. Ça me résout un sacré problème de pyramide des âges. Ça démultiplie mes non-experts sur le terrain, mes opérateurs, mes techniciens qui deviennent des opérateurs techniciens augmentés. Donc, c'est clairement une transformation et tout l'enjeu collectif, c'est de s'entraîner à ça. Nous, dans nos usines, on a des centres de formation agréés pour commencer cette dynamique de formation, transformation des métiers. Isabelle Martin, cette transformation numérique, elle est inéluctable. De ce que on dit nos intervenants, finalement, c'est qu'il faut l'embrasser et mettre en place les conditions finalement pour réussir à réussir ce virage numérique. Quelles sont pour vous les conditions justement de succès pour réussir à prendre le pas de cette révolution numérique? Merci. Je vais répondre à votre question, mais je voudrais réagir quand même, parce que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre topo. Et en vous écoutant, il y a une qualité du topo, hein, mais en vous écoutant, la façon dont vous le posiez, ça donne juste envie de sortir en courant, d'aller se jeter dans la Seine. C'est-à-dire qu'on a tous d'ailleurs autour de... Enfin, hein, quel que soit l'endroit où on se situe, on voit bien que ce débat dans le pignon dans les salariés, chez les citoyens en partie. Il y a des enjeux de fracture numérique, il y a des enjeux de cohésion sociale, il y a des enjeux autour de l'avenir du travail et de l'emploi. Ce n'est pas des questions froides.
Donc, du coup, c'est, hein, encore une fois, je ne remets pas en cause la qualité de votre topo, mais juste à un moment, c'est aussi ça qu'il va falloir qu'on arrive à dépasser ensemble, si on veut justement, si on veut justement réussir. Ça, c'est une première remarque, parce que je pense qu'on se concentre beaucoup sur, dans le débat public, de manière générale. Donc, je ne sais pas ce qu'aurait dit Schumpeter, mais en tout cas, création-destruction, à la limite, on verra bien le sol dans 20 ans ou dans 30 ans. Ce n'est pas forcément un guide pour l'action et pour anticiper. Deuxième remarque, là aussi très courte, c'est puisqu'on parle avenir de l'emploi et avenir du travail et cohésion sociale, on voit bien quand même à quel point un chômage structurel de masse qui continue à durer, même si la croissance repart et les inégalités, produit. Voilà. Donc là aussi, j'ouvre et je ferme la parenthèse, mais c'est une question non négligeable quand on parle y compris des grandes transformations. Alors, pour en venir à votre question, je pense que il y a des chiffres, des tas de chiffres et des tas de modèles qui ont tourné, qui n'ont pas forcément aidé, dont on voit aujourd'hui ce qui est normal, parce que prédire l'avenir à partir des modèles du passé, alors qu'on parle même d'une troisième révolution, voire d'une quatrième révolution industrielle, c'est pas possible. En revanche, ce qu'on voit bien, et ce que j'ai trouvé effectivement très illustratif dans les intervenants précédents, c'est de montrer qu'à partir des métiers, des secteurs professionnels, du type d'activité, il fallait aujourd'hui travailler concrètement à des scénarios possibles et comment du coup on accompagnait ces transitions et qu'on est en train de les vivre. C'est pas demain le digital, c'est en ce moment on est en train de le vivre. Ça se couple avec aussi la transition écologique. Enfin, donc du coup, ce qui se révèle de plus en plus et qui à mon avis est très utile pour l'ensemble des parties prenantes pour avancer concrètement sur ces sujets, c'est que on sait qu'à un niveau pas connu depuis extrêmement longtemps, la plupart des métiers vont être transformés. Donc, à plus ou moins, avec plus ou moins de dosage, mais en tout cas, c'est une échelle donc extrêmement importante. Donc, on voit bien le défi que ça représente pour tout le monde. Qu'on parle beaucoup automatisation et la machine va remplacer l'homme. Alors, comme je suis un peu taquine, j'imaginais un comité de direction avec plein de robots, parce qu'après tout, l'intelligence artificielle peut aussi diriger une entreprise. Mais ceux qui travaillent sur ces sujets-là montrent, et c'est un peu ça la difficulté qu'on a, c'est que c'est pas forcément... Il y aura évidemment des métiers qui vont disparaître et des métiers probablement totalement automatisés. Mais la complexité qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est des tâches, c'est-à-dire des blocs, des briques de métiers qui vont être... voilà. Et donc, du coup, comment on accompagne les salariés, les travailleurs et les organisations. Et dernière, je rebondissais sur ce que vous disiez sur la technologie. Moi, je partage tout à fait ce que dit Cédric Villani, qui vient de rendre un rapport extrêmement intéressant sur l'intelligence artificielle, et qui dit la technologie, c'est pas elle qui toute seule crée ou détruit de l'emploi. Ce qui crée ou détruit de l'emploi, c'est les choix de mise en œuvre que nous faisons collectivement. Donc on voit bien que le sujet qui est posé, c'est comment cette grande transformation bénéficie à tous, qu'ils soient clients, salariés, qui créent de la valeur. Et donc, du coup, comment on travaille sur les enjeux d'organisation du travail et d'innovation. Parce que moi, pour avoir beaucoup travaillé, notamment sur les questions industrielles au sein du Conseil national de l'industrie, moi, ce qui me frappe, et c'est un peu le message que j'essaye de faire passer, qui est d'ailleurs en train d'être, j'ai envie de dire, discuté dans ce monde industriel, c'est il ne suffit pas aujourd'hui de dire « alors, identifions les technologies clés et puis ensuite, on verra ce dont on a besoin en formation ». On sera dans un système où, y compris la réussite sur un plan technologique, sera possible et on sera leader en la matière si on transforme profondément le travail et les organisations du travail et qu'on embarque tout le monde. Est-ce que vous rejoignez ce constat, Jean-Marc Daniel, embarquer tout le monde pour réussir justement Ce qui me frappe dans ce qui a été dit jusqu'à présent, il y a trois mots, il y a régulation, il y a qu'est-ce qu'on va faire, Cédric Villani nous a dit c'est nous qui allons choisir, il y a la loi d'aucune, tout ça, ça correspond à une vision de la société qui me paraît relativement dépassée. Je vais revenir sur la loi d'aucune. Aucune, c'est qui? C'est quelqu'un qui est Aucune, c'est quelqu'un qui est conseiller de Kennedy à une et qui a fait ses études avec Alvin Hansen, qui a été conseiller de Truman et qui a écrit en 1947 un livre qui s'appelle Economic Policy and Full Employment. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Il y a l'idée que c'est l'État qui détermine le niveau d'emploi dans une société. C'est-à-dire que l'État maintient la croissance, l'État peut, par la politique budgétaire, avoir de la croissance, et à partir d'un certain seuil de croissance, il a le plein emploi. Là aussi, comme je suis vieux, j'appartiens à une génération qui a connu Valéry Giscard d'Estaing, ministre de l'Économie et des Finances, nous dire en 1974, les Français doivent se rassurer face au choc pétrolier, nous avons la volonté et les moyens
de garantir durablement le plein emploi. En janvier 1974, un an après, le chômage était passé à 1 million. C'est-à-dire que cette idée que l'État, les pouvoirs publics, l'organisation de la société, les décisions collectives impactent la réalité du monde dans lequel nous vivons. De même sur la régulation. Si vous créez de la régulation, vous créez immédiatement du marché noir. Si vous mettez en place des règles à un certain nombre de gens en leur disant vous allez vous soumettre à ça, ça et ça, le monde bancaire en ce moment est confronté à une inflation de régulation qui génère les fintech, qui génère tout un tas de mécanismes qui sont des mécanismes parallèles. Et donc je pense qu'une des caractéristiques des nouvelles technologies, c'est justement en train de dessaisir la décision collective, de mettre à bas tout le système. C'est l'État qui détient l'emploi, c'est l'État qui détermine les choix collectifs pour faire émerger des choix décentralisés où chaque individu s'empare de son destin. Pour finir sur l'emploi, puisque c'est le thème, moi j'ai été frappé par l'audition, par la prestation de Jean Bassère, le délégué général de Pôle emploi, que je pense tout le monde connaît plus ou moins ici, quand il a été auditionné par le Sénat. Il a repris les idées qui commencent à apparaître que le problème de l'emploi, ce n'était pas un problème de régulation macroéconomique, c'était de moins en moins un problème de formation et de plus en plus un problème de savoir-être. De plus en plus un problème où chaque individu assume directement son destin dans un cadre qui est effectivement organisé, préparé, dans lequel effectivement il appartient encore au service public de lui fournir les moyens intellectuels de son savoir-être, mais c'est lui qui est maître du jeu. Et ce qui me frappe dans les nouvelles technologies, c'est qu'encore une fois, on est de plus en plus maître du jeu. Nous sommes de plus en plus responsables de notre destin. Et donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que, pour conclure, ceux qui me connaissent un peu savent que je cite ça tout le temps, Voltaire disait à la fin de Candide qu'il y a deux types de sociétés. Il y a les sociétés marquées par la léthargie de l'ennui et les sociétés qui sont marquées par les convulsions de l'inquiétude. Je pense que la société d'aucune, de la régularisation, la société des choix collectifs, c'est la léthargie de l'ennui. C'est Pierre-Vincent Ponté qui, il y a 50 ans, nous disait « la France s'ennuie ». Eh bien, je pense que nous rentrons dans la société des convulsions de l'inquiétude et que le véritable enjeu, ce n'est pas la nostalgie de la léthargie de l'ennui, c'est de véritablement laisser aux gens gérer leurs convulsions de l'inquiétude. On rejoint le revenu minimum. Moi, je suis dans le camp des libertariens qui sont pour le revenu minimum pour essayer d'organiser les convulsions de l'inquiétude. Mais il faut concevoir une société en convulsions de l'inquiétude. Marianne, je vous voyais réagir. Oui, je réagirai sur un point, c'est que je pense qu'il ne faut pas oublier les entreprises. Alors d'abord, on est au MEDEF, donc je pense qu'entre l'idée que c'est l'État qui va, avec une espèce de Gosplan, définir comme en 1974 le plein emploi et comment on va le créer, et des individus complètement seuls pour gérer le travail, il y a un rôle éminent pour les entreprises qui ne restent pas les deux pieds dans le même sabot. Hein, j'ai expliqué le travail que nous... Je crois que l'élément clé, c'est quand même qu'il faut travailler sur ces sujets. On y travaille beaucoup. On y travaille d'ailleurs avec les syndicats. Hein, je l'ai expliqué, on a fait tout un travail au sein d'un observatoire des métiers dans la banque. N'oublions pas l'entreprise. Je crois que la vraie révolution culturelle qui a eu lieu au cours des dernières années, c'est de reconnaître qu'effectivement, ce qui crée de l'emploi, c'est les entreprises. C'est pas l'État, c'est pas les salariés tout seuls dans leur coin, encore que, il y a aussi des auto-entrepreneurs, etc. Bien entendu, toutes ces évolutions existent, mais de grâce, n'oublions pas l'entreprise. Il y a de grands débats très intéressants actuellement, d'ailleurs, sur, au fond, ce qu'est le rôle des entreprises. Ça s'est cristallisé autour de l'idée qu'est-ce que c'est l'objet social des entreprises. Je crois que les entreprises, c'est d'abord des communautés humaines. C'est peut-être particulièrement vrai dans le monde des services, encore que, je ne pense pas. C'est des communautés humaines qui sont tournées vers, effectivement, leurs clients. Hein, n'oublions pas le client, celui qui va définir à quelle entreprise on s'adresse, qu'est-ce qu'on en attend, comment, par quel type de mode de relation on veut entrer en relation avec cette entreprise. C'est le client, c'est aussi l'offre, c'est à l'entreprise d'innover avec ses dirigeants, avec ses salariés, avec les nouvelles technologies, mais de grâce, n'oublions pas l'entreprise. Je pense que Vincent va vous rejoindre sur ce point-là, parce que dans les discussions qu'on avait un peu en amont, c'est que vous disiez le but d'une entreprise aussi, c'est de rassembler des effectifs autour de valeurs communes et justement d'être le socle aussi de formation. Ça rejoint votre envie aussi de faire venir des centres de formation au sein même de vos usines. Ouais, alors n'oublions pas l'entreprise, évidemment. Et en fait, moi, la conviction, c'est que déjà la pire chose, c'est de se dire qu'il faut implémenter toutes les nouvelles technologies, que c'est ça le but de la façon de faire face. Moi, je suis convaincu que de toute façon, on doit développer une vision stratégique et qu'au final, on doit créer du sens.
il y a ce que demande le client, mais la meilleure façon de pérenniser une entreprise, c'est aussi de se demander ben, qu'est-ce qu'on crée comme valeur, pas de la valeur pour l'actionnaire, qu'est-ce qu'on crée comme valeur pour répondre à des enjeux sociétaux. Et à partir du moment où on crée du sens, on se met dans une dynamique et on peut commencer à réfléchir à avec qui on va collaborer, quel écosystème, et comment on va créer, comment on va trouver des leviers pour créer cette valeur. L'exemple de la Croix, c'est ce qui nous amène à quelque part, transférer nos métiers vers ce qui était avant le panneau routier. Maintenant, on est sur de l'IoT industriel et on se projette vers le V2X, donc la communication de l'infrastructure avec le véhicule autonome. Mais l'enjeu derrière, c'est les problématiques de mobilité. Quand on fait de l'IoT industriel dans l'eau, dans l'énergie, parce qu'on est profondément, collectivement préoccupé sur la transition écologique. Et donc, à notre niveau, comment répondre à ça? Et là, quand on commence à se situer dans cette vision, cette création de valeur, ben les nouvelles technologies, en fait, on voit que des opportunités de faire beaucoup plus, beaucoup mieux pour répondre à ces grands enjeux sociétaux. Par contre, il faut accompagner. Il faut anticiper. Et si l'entreprise reste dans une position défensive, renfermée, sans collaborer, sans s'ouvrir, avec des concurrents, avec des écosystèmes qui n'ont rien à voir, avec des associations, avec les syndicats, on n'y arrivera pas. Réfléchissons en filière, me disiez-vous, il faut réussir à rejoindre ses concurrents pour justement essayer de... Alors, dans cette logique de collaboration, alors filière, oui, pour moi, il y a des besoins spécifiques, la filière électronique, on s'organise par rapport à des pénuries, après, il faut aussi réfléchir par grand bassin d'emploi. Moi, j'ai certains concurrents, ils sont à l'autre bout de la France, j'ai plus intérêt à travailler avec d'autres entreprises ou un écosystème autour de mes bassins d'emploi. Donc filière, bassin d'emploi, mais dans tous les cas, collaboration le plus possible pour accélérer notre capacité d'apprendre et d'imaginer ce que sera la suite. Tout seul, en tout cas une ETI-PME n'a aucune chance toute seule d'y arriver. Isabelle Martin, vous rejoignez ce constat de l'importance de mutualiser, partager les réflexions sur ces sujets-là entre différentes entreprises aux différentes problématiques? Je partage totalement. Je pense que quand on ne peut pas prévoir, et c'est le cas, y compris pour avoir la discussion de temps en temps avec des chefs d'entreprise qui disent « ne demandez pas, chère madame, de dire dans 2 ans ce qui va se passer ». Donc moins on sait dire l'avenir et prévoir même à court terme, compte tenu des accélérations, tout ce qu'on dit depuis ce matin, plus du coup il y a un besoin d'un dialogue autour de l'anticipation. C'est-à-dire l'anticipation, c'est justement un chemin... C'est construire un chemin, quels sont les scénarios, et du coup, est-ce qu'on a une vision partagée, quelle est la direction, et comment on essaye de s'y préparer pour éviter autant que faire se peut les ruptures, et donc anticiper les changements. Alors c'est un long chemin, parce que c'est pas forcément la culture, j'ai envie de dire, historique, c'est bien ça qu'on est en train de construire. On voit bien autour, effectivement, alors évidemment, d'abord dans l'entreprise, qui est le collectif de travail, et... si chaque individu est libre, je pense que les grandes innovations, les grandes inventions ont été, alors parfois l'expression de génie, mais aussi beaucoup des collectifs. Du coup, il y a besoin de... La coopération permet aussi l'inventivité et l'innovation. Donc c'est d'abord au sein de l'entreprise, parce que c'est là aussi, de mon point de vue, en fonction de l'activité, on peut voir aussi ce qu'on appelle dans le jargon un peu les signaux faibles, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que je vois de l'évolution de mes compétences, de mes besoins. Donc après, c'est comment on le partage et comment on construit les réponses. Alors, il y a deux dimensions qui sont probablement un des enjeux pour apprendre davantage qu'on ne le fait aujourd'hui. À la fois sur les enjeux de filière. Filière au sens du fait que... Alors, elles ne sont pas toutes structurées de la même manière, mais il y a un certain nombre de filières que j'ai en tête où il y a des grandes entreprises, ou ce qu'on appelle des grands donneurs d'ordre, donc qui gagneraient aussi à renforcer leur partenariat stratégique au niveau des compétences et des évolutions avec tout leur tissu de TI et de PME. Donc il y a un certain nombre d'expériences intéressantes. Et donc on voit bien que quand il y a un partenariat qui se crée pour faire monter en, du coup, à la fois en gamme la filière, mais du coup faire monter aussi en qualité et en qualification les salariés, ça conduit à des choses extrêmement intéressantes, y compris en termes de réponses concrètes. Et la deuxième dimension, c'est la dimension territoriale. Donc en fait, c'est un peu l'enjeu du croisement entre les filières et territoires. Quel que soit ce qu'on peut en penser, on voit que les mobilités se jouent plus de façon professionnelle sur un bassin d'emploi que de mobilité géographique.
Donc c'est une réalité avec, en tout cas à aujourd'hui. Et donc du coup, comprendre aussi quels sont les, à la fois les risques et les opportunités sur mon territoire et organiser le dialogue entre les entreprises et ou les acteurs publics quand ils sont nécessaires, mais il n'y a pas forcément besoin des acteurs publics. Ça permet là aussi, du coup, d'accompagner concrètement les transitions, qu'elles soient pour les entreprises qui cherchent à faire évoluer leur activité ou qu'elles soient pour accompagner effectivement l'évolution en compétences et en formation des salariés. Un bon exemple de partenariat public-privé, c'est celui de la Croix-Groupe avec la région Pays de Loire sur l'implantation d'un projet techno-campus. Oui, alors on est dans la dynamique des conseils stratégiques de filière du CNI, hein, Conseil national de l'industrie, pour définir l'électronique, la filière électronique comme une industrie stratégique, parce qu'elle est le socle industriel de la transformation digitale. Et on collabore au niveau national avec toute la filière. Et puis après, la partie sous-traitance électronique est très représentée en Pays de Loire. Et donc, on travaille sur un projet de technocampus que j'appellerais deuxième génération, c'est-à-dire que surtout l'expertise, les machines, ne soient plus dans un lieu désincarné hors des usines, mais bien dans un réseau d'usines, et plutôt tournée ETI, ouverte aussi aux PME autour, pour pouvoir associer la transformation, l'innovation, mais aussi toujours y associer un centre de formation. Et se confronter à la pratique du terrain, premièrement, et deuxièmement, montrer que, un, c'est pas de la science-fiction, mais deux, travailler avec nos équipes pour commencer à former sur les nouveaux métiers, parce que ça accélère sacrément le changement. En termes de nouveaux métiers, vous m'avez parlé d'un métier qui apparaît, qui est sous le terme de dresseur de cobots, ces robots qui font leur apparition dans vos usines, où finalement, l'humain a en charge un parc de cobots qu'il doit pouvoir mettre en musique. Ouais. Alors, bien évidemment, c'est l'appellation est un peu marketing, très clairement. Le point, c'est de dire qu'aujourd'hui, on ne trouve plus de jeunes intéressés pour rentrer dans une industrie, de rentrer dans les usines. C'est extrêmement compliqué. Donc si on leur explique qu'ils vont, si, faut qu'ils viennent dans l'usine, parce que sinon ils toucheront plus le chômage, mais c'est contraint et forcé, et pour rentrer dans une organisation très 20e siècle, ça ne va pas marcher. Par contre, grâce aux nouvelles technologies, on peut complètement revoir un poste de travail et... Ce que nous on utilise, c'est viens pas faire le travail à la chaîne, viens être dresseur de cobots et viens créer ton emploi, viens transformer et faire quelque chose qui correspond dans un imaginaire, quelque chose de plus sympa. À l'entrée de nos usines aussi, on met maintenant des zones qui s'apparentent plus à des zones de lab ou de start-up, où justement on fait passer les nouvelles technos, les nouveaux outils, les nouvelles usines, les nouvelles machines pour que les gens viennent expérimenter. Mais il y a la réalité du terrain, mais il y a cette nécessité d'attractivité. Bon, le message, c'est aussi ça, et que revoir nos industries comme des endroits d'innovation incroyables, c'est fondamental. Sinon, en termes de destruction d'emplois et de création de valeur, c'est sûr que si toute l'industrie s'en va, ce ne sera pas bon pour nos zones à nous. Marianne, sur cette problématique de l'attractivité, ça faisait partie des sujets que vous avez évoqués sur votre première prise de parole, c'est la concurrence croissante pour recruter les talents. Comment est-ce que la banque peut se démarquer sur ce terrain-là ? D'abord, effectivement, on parle de filières. Oui, les filières, c'est très important. D'ailleurs, dans le secteur financier, on y travaille beaucoup. On a un pôle de compétitivité qui s'appelle Finance Innovation, qui se spécialise justement sur les fintech. Et pour m'inscrire en faux par rapport à des oppositions qu'on essaye de développer qui n'existent pas, il y a une vraie filière ou un écosystème entre les très grands donneurs d'ordre. On parlait de grands donneurs d'ordre, que sont les banques, les fintech. Tech qui innove comme les banques d'ailleurs. On vient de rendre public, je crois qu'il est dans le hall, un document qui s'appelle Banque et Innovation, qui essaie justement d'être un document de référence sur toute cette innovation, qui est à la fois interne, externe, et qui se développe beaucoup au sein des filières. Alors ensuite, sur l'attractivité des secteurs, mais c'est un grand enjeu pour tous les secteurs économiques aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin de recruter. D'abord, parce que la bonne nouvelle dont on n'a pas parlé, c'est que la croissance repart. Il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui investissent. Je n'ai pas du tout parlé d'ailleurs de l'autre aspect du rôle des banques, qui est qu'évidemment nous sommes dans la transformation numérique, mais nous finançons aussi la transformation numérique. C'est un rôle essentiel. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais donc on voit ça, on voit cette évolution économique qui est positive. Il y a la demande de crédit qui augmente beaucoup, le crédit qui se développe aussi beaucoup. Donc on a des enjeux d'adaptation, des enjeux d'attractivité. C'est vrai que
que les entreprises se battent pour attirer les talents. Ça a été dit dans le secteur industriel, c'est tout à fait vrai aussi dans le secteur des services. C'est-à-dire qu'on a besoin de recruter des talents, de former les salariés pour qu'ils restent aussi, parce qu'un salarié qui n'est pas content, qui estime par exemple que ses outils numériques, ça c'est un des grands enjeux hein, pour les grandes organisations, qui estime que ses outils numériques au travail sont moins intéressants que les outils numériques qu'il utilise au quotidien, ben, il va finir par partir. Donc c'est des grands défis pour les entreprises d'acclimater les nouvelles technologies, de former les salariés, de faire de la prospective ensemble avec les salariés, d'essayer d'avoir une vision stratégique, mais dans un univers qui est incertain. Je crois qu'il faut s'habituer à être dans un univers qui est de plus en plus incertain. Et la meilleure des réponses face à l'incertitude, c'est effectivement d'avoir des personnes qui sont bien dans leur travail et qui aussi ont les capacités, la volonté et les outils pour s'adapter, parce qu'on voit bien qu'effectivement, probablement, que les technologies vont continuer à évoluer. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, on parlera peut-être d'autre chose demain. Alors, il y a eu des échecs retentissants. Moi, je me souviens des avatars de Second Life, qui était un des grands trucs sur lequel toutes les entreprises, enfin, beaucoup d'entreprises s'étaient lancées. Bon, je crois que ça a complètement disparu. Il faut se faire à l'idée qu'on doit innover, on doit investir, donc il faut aussi gagner de l'argent, hein. Parce que pour pouvoir investir dans toutes ces nouvelles technologies, tout ne réussira pas. Donc il faut avoir une capacité d'investissement très forte, une capacité de financement très forte. Et puis il faut le faire avec les salariés, parce qu'en effet, la meilleure des technologies, si les salariés de l'entreprise ne sont pas à l'aise avec, ne savent pas l'utiliser correctement et ne se sentent pas, accompagnés aussi par la formation sur leur utilisation, la meilleure des technologies, elle restera dans les cartons en fait. Merci Marianne. On approche déjà du terme de cette table ronde. Ludovic, vous avez lancé les débats. Je vais vous laisser clôturer finalement. Qu'est-ce que vous retenez de ces interventions dont certaines ont un peu challengé votre présentation? C'est une bonne guerre. Ce que je trouve intéressant déjà, c'est qu'il y a un consensus sur l'ampleur des transformations qui sont à l'œuvre, et un consensus aussi sur le déplacement de la problématique autour de l'emploi, c'est-à-dire est-ce que l'emploi est menacé? Ça paraît pas si évident que ça, parce que on a du mal à recruter les talents du digital, on a du mal à recruter des gens opérationnels auprès des machines. Donc finalement, les gens qui sont confrontés à ces problématiques-là ne sont pas tant inquiets que ça sur le futur de l'emploi. Et puis après, peut-être que l'emploi n'est pas la bonne question. Enfin, je rebondis sur ce que vous disiez. Peut-être que la vraie question, c'est la création de richesses à l'échelle de la société. On n'a pas l'impression que ce soit un sujet finalement dangereux aujourd'hui. La répartition de richesses probablement est à l'ordre du jour, mais pas la création de richesses en soi. Et ça, c'est un sujet quand même qui est important. Puis après, ce que je vois aussi de point de vue commun, c'est la nécessité de la formation, puisque pour le coup il y a un consensus pour dire que les emplois vont changer, donc il y a un accompagnement, une prise en main par les gens aussi de façon autonome de leur devenir, et ils vont faire des choses différentes et il faut qu'ils s'adaptent à ces choses différentes à faire. Et puis j'ai noté aussi plusieurs fois la notion de projet commun à construire, que ce soit au niveau de l'entreprise, définir une vision. Vous parliez de stratégie dans un avenir incertain à construire avec les employés. Et puis un projet sociétal plus vaste. Hein, et donc notre futur, il est sans doute à écrire avec beaucoup de dialogue. C'est ce que je retiens de cette table. Et si je peux juste me permettre aussi, par rapport aux qualités qui vont être nécessaires demain, je me pose de plus en plus la question de l'intérêt d'avoir, notamment dans les filières de formation, toujours plus d'expertise. On n'en a pas parlé, mais je pense que c'est absolument important, d'autres pays le font mieux que nous, de se focaliser sur ce qu'on appelle maintenant les soft skills, la capacité à collaborer, les qualités d'empathie. C'est pas de la théorie, c'est pas de la naïveté. Mes salariés demain, je pense que j'aurai de moins en moins besoin d'experts, j'aurai besoin de gens qui savent extrêmement bien utiliser les outils digitaux qui les supportent, qui les aident, pas pour travailler pour, mais parce qu'ils sont à disposition, qu'on a travaillé pour les mettre à disposition. Et du coup, ça va renforcer le côté cerveau droit, les soft skills, et ça va être absolument nécessaire. Et je me pose aussi la question pour mes propres enfants, vers quoi je vais les orienter. La langue étrangère que je vais pousser, je pense que ce sera surtout le code. Merci beaucoup Vincent, merci à tous les cinq pour votre participation à ces débats, je vous remercie. Et je vais...